l'Académie de médecine a été créée en 1820 par une ordonnance royale sous le règne de Louis XVIII. Et ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle qu'elle a pu faire construire pour elle un bâtiment qui a été inauguré ici rue Bonaparte en 1902. Elle avait et a toujours pour mission de conseiller le gouvernement sur tout ce qui concerne la santé publique, ainsi qu'une autre mission plus patrimoniale. La bibliothèque de l'Académie de médecine conserve certains fonds particulièrement remarquables, parmi lesquels la collection d'ouvrages imprimés de Charles d'Arembert, qui était médecin, helléniste et premier bibliothécaire de l'Académie de médecine. Dans le cadre de notre partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, tout d'abord, nous avons souhaité faire numériser les périodiques et les publications produites par l'Académie au cours de son histoire. Les fonds documentaires choisis le sont en raison de leur qualité scientifique. Il s'agit de mettre à disposition des chercheurs des périodiques qui permettent de comprendre la médecine au cours du XIXe siècle et de la première moitié du XXe siècle. L'un des mémoires que nous avons voulu faire numériser, ce sont les mémoires de l'Académie de médecine. Et le premier de ces mémoires est celui de Jean-Marc Gaspard Itard, intitulé « Mémoire sur le mutisme, produit par la lésion des fonctions intellectuelles ». Il y postule que le mutisme, loin d'être la manifestation de l'idiotisme, est susceptible d'être le résultat d'une lésion mentale qui affecte la mémoire auditive et les capacités mimétiques. Pour certains médecins, il s'agit du premier mémoire scientifique à décrire l'autisme. En l'espace de 2 ans, nous avons fait numériser plus de 320 000 pages de titres de périodiques médicaux. Dans tous les cas, ça a été une expérience très positive et nous sommes déjà en cours d'élaboration d'un nouveau chantier de numérisation avec la Bibliothèque nationale de France.